Prenez votre porte-bébé dans le bon sens et venez l'enfiler comme un t-shirt. Chaque bande va se retrouver au niveau du creux du coude. Ajustez-le si nécessaire. Prenez votre bébé, placez-le de façon physiologique. Puis, placez votre main au milieu de la croix. Pour passer par en dessous, cherchez les pieds de votre bébé. Placez votre bébé comme sur une petite balançoire. Puis venez déployer les pans sur vos épaules. Venez chercher-le par le pan du dessous, l'extrémité extérieure, pour déployer le pan sur le dos de votre bébé. Effectuez votre serrage. Et faites la même chose de l'autre côté. Venez chercher le bord extérieur et remontez le par en dessous sur le dos de votre bébé. Prenez le dernier pan que vous allez placer sur son dos et terminez par un double nœud. Vérifiez que la tête et les pieds du bébé sont bien dégagés. Et voilà, vous êtes prêt. Pour enlever votre bébé, ôtez d'abord la première couche. Puis nous allons enlever les pans en passant par-dessus le dos du bébé. Desserrez si nécessaire et faites bien passer ses pieds. Au niveau de la deuxième couche, on fait passer également par les pieds. Et voilà,